Aujourd'hui, je te partage une recette de cheesecake protéiné. Tu vas voir, c'est super simple à réaliser. Donc pour commencer, il va falloir mettre dans un mixeur des biscuits. Donc tu peux mettre des petits beurres ou autres biscuits et du beurre fondu. On mixe le tout. Puis une fois qu'on a tout bien mixé, on va disposer la poudre au fond d'un plat. On étale bien. Puis on le met au four à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Donc voici le résultat. On vient mettre par-dessus un mélange qu'on aura mixé auparavant. Le mélange, c'est du sucre, des œufs et du cottage cheese. Si on veut que ce soit un peu plus protéiné, on peut rajouter de la poudre de protéines. On vient disposer le tout par-dessus le biscuit qu'on aura déjà cuit auparavant au four. Puis on réenfourne tout ça au four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Voilà le cheesecake à la sortie du four. On peut mettre par-dessus de la confiture. Abonne-toi pour plus de recettes.